ma terre en pleurs. Mais les choses ici prennent une telle ampleur. Les fils partent avant les pères, y'a trop de mères en sueur. Quand les fusils de la bêtise chantent le même air en chœur. Le mangeur d'âme à chaque repas s'abreuve de nos rancœurs. Je l'entends toutes les nuits, là des fantômes qui la hantent. Là de leurs complaintes tellement que des fois elle en tremble. Par le sang de la haine constamment semencée au pas cadencé. Quand ce dernier chasse le vent hors des plaines. Rien n'a changé depuis où je vis, juif, catholique, musulman, noir ou blanc. Fermez vos gueules, vous faites bien trop de bruit. Comme ces orages dont l'eau se mêle à nos larmes. Et leur choc sur le sol aride dont l'uranium a volé l'âme. Je veux pas d'une ville au cimetière plus grand que la surface habitable. Même s'il paraît que l'autre côté tout est plus calme, plus stable. Je veux pas qu'après le jour J les survivants survivent sous le néon. Trop proche du néant car le soleil les prive de rayons. Les artères pleines d'amers comme un caddie au géant. On charge, à la sortie c'est tout dans les dents. Je crois que c'est dans l'air du temps. Chacun cherche son bouc émissaire. Ouais, d'une simple vie ratée à l'envoi d'une bombe nucléaire. L'amour manque d'air dans leur monde. Nous on suffoque. Tout ce qu'on supporte, ça pressurise. Et c'est les psys qui vont exorciser. Que quelqu'un me dise si j'ai des chances de voir enfin la paix exigée. Qu'un jour les abrutis s'instruisent. Perché sur ma plume, j'attends ce moment. Observe ce bordel. Des petites flammes montées au ciel. Pour elles j'ai signé ce gospel. Hera se barre à tire d'elle. Là de la sève qu'on tire d'elle. On clame tout ce que l'on aime. Mais aucun de nous n'est fidèle. Jalousie et convoitise se roulent de grosses pelles. Quand les problèmes viennent, on règle ça à coups de grosses pêches. Et pendant ce temps-là, certains amassent des sous par grosses bennes. Devine qui est-ce qui creuse, mais avec des plus grosses pelles. Quand est-ce qu'on y arrive? Là où le bonheur désaltère, où le futur se construit, sans cri, sans mec à terre, ni de centrale en fuite, rien sur le compteur Gégère. Et finalement qu'ici on n'est que locataire. Tu parles d'une location, regarde un peu ce qu'on en a fait. Quand le vieux fera l'état des lieux, on fera une croix sur la caution. On aurait dû le rendre comme nous l'a donné. Clean, sans tache et innocent comme un nouveau-né. Seulement les nôtres meurent de faim en Afrique et y a pas assez de fric pour eux. Alors la dalle faudra la tempérer. Les hommes tombent sous les rafales racistes mais on ne peut rien pour eux. Alors les balles faudra les éviter. Le cul devant la télé, occupé à rêver, le doigt posé sur la commande, on se sent exister. On râle, on gueule, on vote, espérant que ça va changer. Mais tresse les barricades et tu les verras tous hésiter. Garnis d'incompréhension et de stèles géantes. Le globe rêve de compassion et de bourgeons renaissant sur ses branches. Les mêmes qu'on laissera crever un soir de décembre dans le silence. Jusqu'un bout de carton pour s'étendre. Tout le monde a ses chances. De quelle planète vient celui qui a dit ça? Un homme politique, je crois, en live de Bora Bora. Pendant que les foyers subissent façon Tora Tora. Mais c'est bon, c'est bien trop bas, alors forcément il ne nous voit pas. Paroles et paroles et paroles. Ils ont promis monts et merveilles, mais les merveilles se sont envolées. Il ne reste que des monts, mais c'est raide à grimper. Et au sommet, il y a des démons en costume cendré. Et en bas, c'est les jeux du cirque, César Ave. Parce qu'on va se faire bouffer par des fauves qu'ils ont dressés. On note une sévère chute de sang sur la map, une montée d'air noir. Un jour, on paiera cher pour une bouffée d'air pur. Ici, c'est chacun sa culture, chacun son racisme. Seulement sur fond blanc, c'est le noir qui reste la meilleure cible. Le temps change, c'est sûr, mais il y a toujours des irascibles. Ils ont le beau jour d'Henri, Darren, Mormec et Zinedine. À l'heure où les gens dînent, y en a encore trop qui cherchent. Pour eux, pas de 8 pièces, ils crèchent au parking. Tout le monde s'en indigne. Ça dévalue le quartier, ça effraie Mémé. Et on sait bien ce que Mémé va voter. Du haut de leur tour de bise, droite comme la tour de Pise. Jumelles sur le pif, ils fractionnent, divisent à leur guise. On s'étonne ensuite que ça finisse en fratricide. Car tout ce qui compte, c'est de gonfler les commandes de missiles. Vive la démocratie, celle qui brandit la matraque face à des pacifistes. Si t'es pas d'accord, on te frappe. Multirécidivistes, c'est jamais cela qu'on traque. Ils vivent en haut des listes et mettent leur tronche sur les tracts. Ce monde agonise, puisqu'on y fait, c'était prévisible.
comme la goutte sur le front dès que la merde se profile. Mais la peur atrophie les cœurs, peur de tout ce qu'on ne connaît pas. Alors on se barre de préjugés débiles. De partout les extrêmes dominent en prime time. À chaque fois qu'ils déciment une famille. Et bien avant ces régions où sévit la famine. Image trop crue pour un pauvre devant sa viande trop cuite. Lui qui croyait que l'euro ferait beaucoup d'heureux. Pour les vacances faudra attendre un peu ou gagner au jeu. Mais là c'est pas trop l'heure, demain très tôt y'a le taf. Comprends, ce monde va trop vite, aucune chance qu'on le rattrape. Sur la route des principes, ils ont mis des pièges à loups, des gilets dynamites et des scuds, y en a un peu partout. Faudra faire gaffe aux mines, aux puits d'où la mort s'écoule. Il a beau être vif, mais à la longue, il évitera pas tout. Et un de ces quatre, il finira par tomber. J'espère qu'il y aura quelqu'un pour aider le prochain à se relever. J'espère qu'il sera pas comme le nôtre, aigri et crevé. Et j'espère que celui-là essaiera pas de se faire sauter. Tu sais, on vit dans la télé, le globe s'est fêlé. Ils servent de l'emballer, mais en vrai c'est la mêlée. On se prend à espérer des choses simples. Mais leur fabrique à peur s'est mise en branle, tout ça pour les dérégler. Crise sans cicatrice, terreur dans la matrice. Ils disent qu'une vie de plus à New York, Paris, Londres ou Madrid. Alors c'est comme ça, une échelle dans la peine. On aime ces catastrophes quand des gens manquent à l'appel. Surtout s'ils nous ressemblent, on les filme à la morgue. Et nous dans les sofas, content d'échapper à la mort. Il reste dans nos cœurs une anomalie appelée peur. Et grâce à ça, de toutes parts, ils ont recours à la force. C'est une révolution, cette fois elle est de droite. Voilà pourquoi le chantage à l'emploi dans plein de boîtes. Voilà pourquoi ils veulent à tout prix implanter la croix. Et face à la télé, souvent on les croit dans leurs droits. Ils disent, c'est humanitaire. Mais ils niquent les mers et la terre. Pour chaque écart, c'est la guerre. Si le quotidien est précaire, c'est qu'ils nous dressent à être délétères et à se contenter de joie éphémère. Si l'Afrique est en colère, c'est parce que les trusts la pillent. Seuls les généraux corrompus coopèrent et jouent des vies au poker. Est-ce que la rancœur et le désir de revanche est tout ce qu'on leur a offert? On parle du droit des femmes quand leur mari les frappe avec des clichés religieux, tous droits sortis des fables. Comme si elles étaient bien depuis le Moyen-Âge. Mais c'est en 46 que s'est ouverte une nouvelle page. Maintenant elles nous valent, on dit dans les ouvrages. Pourquoi elles touchent moins de pognon à compétences égales? Pourquoi elles seraient moins faites pour être responsables? Alors qu'elles nous ont tous torché le cul nu dans le sable. On force sur la boisson, on parie sur les canassons. Mais la réalité c'est qu'ils nous font bouffer du poison. Et dans l'hôtel du bonheur, beaucoup font la valise. L'espoir tué par des fanatiques libéralistes. Pas de bombes sales, ni de grosses salves. La stratégie est simple, ils exploitent et ils affament. Quand on les voit à la télé, c'est qu'on l'air affable. Mais le monde est à genoux quand ces bandits sont dix à table. Des comptes sous faux nom, ils prétendent agir au nom de la liberté. Mais c'est la monarchie du pognon. La France et les States, par factions interposées, se livrent une guerre en Afrique et tu veux rester posé. Freedom par-ci, démocratie par-là. Mais j'ai maté sous la table et j'ai vu que c'était que des palabres. La vraie mafia, nous on la cherche pas en Calabre, ni dans ce bled, ou dans les quartiers pauvres. Ou à 40 ans on tombe malade à fumer du mauvais tabac et à manger de la merde. Ou le Xanax fait un tabac avec l'alcool fort. Les rues deviennent des grosses forges et le métal commun y est monté sur des grosses crosses. La violence au quotidien de tant de gosses pauvres. Et moi j'attends l'apocalypse après cette apostrophe. J'en ai marre de tous ces mensonges qui colportent pour les servir dans de nombreux cas y a mort d'hommes. Tous terroristes, j'entends leurs théories. Vanter le sacrifice pour des principes, c'est horrible. Les mômes survivent nourris à l'eau et au riz, pendant que leur pouf se balade à Aspin ou Saint-Maurice. La flore crame, la faune canne. Dis, c'était des barbus qui lâchaient l'agent orange sur le Nord Vietnam. Non, c'était des boys. Mais qui peut m'indiquer la justesse d'une cause? En partant de là, chacun écrit ses droits. Désolé, je trouve aucune excuse à Hiroshima. On peint l'histoire comme on colorie vite une image. Et peu importe qui se fait tuer, à chaque fois je le vis mal. On croit en nos gendarmes qui servent et nous protègent. Du moins au Rwanda quand ils jouent au lance-roquettes pour placer le pantin qui conviendra à la France.
une casserole de plus au ministère de la Défense. Ils se crêpent le chignon, au fond ils sont ignobles. Sur la conscience des députés, il y en a plus d'un million. Quand ils font les aiguilles, nos politiques ont des chignoles. Défilent sur des chars le 14. Ils se bignolent au son de la Marseillaise et d'une imagerie guerrière qu'ils veulent tranquillement refiler aux élèves de leurs apparts dans le 16. On voit un tableau différent. Ils disent croire en Dieu mais croient en ce qu'ils possèdent. Ils trouvent même pas un corps dans les ruines du World Trade, mais sortent des débris le passeport de Mohamed. Je peux plus exprimer combien on trouve ça grotesque. Je comprends pourquoi c'est le désert dans les bibliothèques. Au collège de la vie, ils jouent des profs d'histoire et abreuvent le quotidien de mille sornettes illusoires. On a bâti une forteresse, la nommée Alamout, coincée physiquement entre garde à vue et garde à vous. Compte tenu de la pression patriotique, j'admire les gens de gauche, en Israël, en Amérique. Est-ce qu'on vaut mieux en France? Désolé si j'insiste, mais regardons-nous franchement, on est aussi raciste. Ensuite ils vendent la liberté au marché public. Putain le drame avec les valeurs de la République. La République, elle passe ses week-ends en régate, puis se prostitue de toutes parts pour un Airbus ou une frégate. Elle exécute dans une grotte des opposants kanaks et mange à table avec des gens style John Cana. Puis explose le Rainbow Warriors et dessine les frontières du tiers-monde à la terrasse du Marriott. Sponsorise des fanatiques aux quatre coins du monde, les entraîne au combat et à manipuler les bombes. Le collier cassé, c'est qu'on échappe à tout contrôle. Et quand ils mordent la main du maître, alors on crie au monstre. Ils discutent notre futur autour d'un pichet. Pour notre sécurité, Zarma, ils veulent nous ficher. C'est la France de derrière les stores et j'en ai marre de me faire gruger par des tronches de dispensés de sport. Je me bats pas pour la Porsche, mais pour un meilleur monde. Avec mes petits bras, souvent à cette époque où la terreur gronde, où la frayeur monte. Je travaille sur moi chaque seconde pour être un meilleur homme. On vit en ces temps où dans un taudis de Paris, 36 gosses meurent brûlés vifs quand les demandes en HLM dorment depuis des années dans les archives. Alors que des employés de la mairie en obtiennent avec terrasses et parkings. T'appelles pas ça du racisme? Après ils pleurent quand perdu on revient aux racines. Ils ont caricaturé nos discours radicaux et l'ont résumé par wesh wesh oui yo yo. Nous complexer, si peu sûr de soi, on s'interpelle entre nous comme Rital, Rebeu ou Renoir. Chaque jour la grande ville resserre l'étreinte et tu peux voir les noms des nôtres évaporés écrits sur des trains. Ma vie a un mic, une mixtape, loin des ambitions de ce qui sera élu au président en 2007. J'adore ce moment où il dévoile le minois de qui devra tailler des pipes monumentales aux chinois. À défaut d'argent, putain, donnons du temps. Dans nos bouches, le mot liberté devient insultant, car c'est les soldats qui le portent et non plus le vent. Comme si le monde était rempli de cruels sultans. Mécontent des schémas qu'on nous propose, je cultive maintenant les roses dans mon microcosme. Mesure les dégâts minimes que mon micro cause. Ça ne peut qu'aller mieux, alors j'attends la fin de leur monde. J'attends la fin de leur monde.